Darala Koué, bonjour, je m'appelle Junior, j'ai 15 ans et j'habite à Imoro. Je vais vous raconter le quotidien de mon enfance. J'ai vécu et vis toujours dans ce petit village Imoro qui signifie, dans ma langue sango, le combat par la parole. Il se situe en Côte d'Oro 7, Sud-Africa, en Centrafrique, au beau milieu de tout, au centre du monde. Même mon drapeau est un trou. Regardez toutes ces couleurs. Avec l'étoile qui me fait sentir libre dans le ciel immensement bleu, le blanc si pur et léger comme les nuages, le vert de la forêt tropicale qui m'entoure, ce jaune si lumineux comme mon soleil qui caresse ma peau, et enfin, en plein centre, le rouge comme un cœur qui bat au centre de l'Afrique, au centre de mon monde. Oui, mon pays, c'est tout ça. Thank you.
Dans mon pays, il y a beaucoup d'animaux magnifiques et parfois dangereux. Les mamans nous disaient de ne pas trop nous éloigner, mais avec mes copains, on aimait bien aller explorer les alentours. Au détour des champs de manioc et d'ananas, les parfums des fleurs sauvages aux mille couleurs nous enivraient. La saison sèche d'octobre en avril laisse place à la saison des pluies jusqu'en septembre. Le vent chaud foisonnait et bourdonnait d'insectes. Nous scrutions sans arrêt le ciel pour voir le vol grandiose des pélicans qui retournaient à la rivière Ubangi. À la tombée de la nuit, le cri lointain des babouins nous sortait de notre rêverie. Il était temps de rentrer. Au passage, un manguier nous tendait ses fruits juteux. Les bras chargés de notre cueillette, nous retournions au village. Mais le moindre bruissement inquiétant dans les buissons nous faisait détaler comme des gazelles. Les mamans nous attendaient et ne manquaient pas de nous réprimander. Mais nous cajolaient quelques instants après.
Le mardi, avec maman, nous allions au marché à la capitale pour vendre nos petites récoltes de fruits. Nous partions pour une longue marche de 45 km en empruntant l'unique et très fréquentée route de Bangui. Tout au long, nous croisions des charrettes débordant de bois de la brousse. Beaucoup de personnes voyageaient en groupe, surtout à pied, mais aussi sur des camions. Je rêvais qu'un jour, je monterais tout en haut, sur le toit, pour apercevoir au-dessus des arbres le reste du monde. Mais à pied, au moins j'avais le temps d'admirer les fleurs, de courir après les criquets, de sauter pour attraper les papillons multicolores et d'observer les gens travailler tout au long du chemin.
Mon pays, c'est un rythme, la danse, la musique, le son des percussions. Le dimanche, dans mon église, tout le monde chantait et dansait. Lors de la fête de l'indépendance sur le fleuve Ubangi, de fines pirogues filaient au rythme cadencé de ses 50 rameaux. Rameau à droite, rameau à gauche, rameau en centre. Avec mes copains, on ne manquait jamais de s'amuser. Nous jouions, nous les faisions, une boîte de sardines, du fil de fer, un bâton, de l'imagination, et voilà, c'est parti pour une course de voiture endiablée. Pendant ce temps, les petites filles se faisaient faire des tresses en jouant à la poupée, confectionnée avec leur maman. Parfois, une troupe de théâtre venait faire une représentation. Autour du feu, tous les villageois venaient s'asseoir sur le traditionnel tabouret barambou. On entendait résonner les chants jusqu'au bout de la nuit. Thank you.
C'était en 2005. J'avais 4 ans et un événement allait chambouler la vie du village. Des gens sont arrivés, des blancs. Je n'en avais jamais vu avant. Ils étaient étranges. Leurs cheveux, leur peau pâle comme la lune et qui devenait rouge au soleil. Ils parlaient dans une langue que je connaissais un peu. Mais moi, je parlais tout le temps sango et pas beaucoup français. J'avais un peu peur. Qu'était-il venu chercher chez nous? Je n'en savais rien à l'époque. Je me souviens de ma première réaction. Ce fut de me cacher derrière maman en pleurant. J'avais peur et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de les suivre partout. J'étais très curieux de savoir ce qu'ils allaient faire et je n'allais pas tarder à le découvrir. Thank you.
Petit à petit, l'organisation du village changea. J'avais grandi. J'allais dans une école avec 4 murs et un toit. On s'asseyait derrière des beaux pupitres d'écoliers. Nous avions chacun un cahier et des crayons. Avec les copains, nous apprenions à lire et à écrire. Nous écoutions avec intérêt le maître nous apprendre l'histoire et la géographie. Nous faisions des dessins que nous échangeions avec des enfants de France. Nous avions fait un livre pour expliquer comment rester en bonne santé. Avec nos dessins, c'était chouette. Comme ça, les gens étaient moins malades. Il y avait aussi beaucoup de livres avec des histoires fabuleuses. Après l'école, nous retournions au champ pour aider nos parents. Le soir, pour le dîner, maman nous préparait de délicieux compotes de fruits. Elle avait appris à les faire avec les mamans de l'association Imoro pendant les ateliers culinaires. Thank you.
Tous les villageois d'Imoro, ainsi que ceux du village avoisinant,
pouvait venir se faire soigner au dispensaire et trouver des vrais médicaments. Il y avait aussi la visite d'un médecin pour les yeux. Tout le monde voulait des lunettes, bien sûr, mais évidemment, tous n'en avaient pas besoin. Dieu béni fut le premier garçon à être opéré d'une malformation de la bouche. Il était heureux car les autres enfants ne se moquaient plus de lui. Désormais, il souriait à la vie. Depuis, de nombreuses opérations ont pu être réalisées grâce à un chirurgien français et aux dons faits à l'association. Ma famille s'était agrandie. J'avais deux petits frères, des jumeaux, Nelson et Dyson. Ils sont nés à la maternité du centre de santé Armand. Maman était ravie d'avoir deux petites merveilles en bonne santé. La vie au village avait bien changé depuis plusieurs années. Chaque visite de l'association était attendue avec joie. Je grandissais, des rêves plein la tête. Mon vœu le plus cher, devenu docteur pour aider les gens de mon pays. Yeah.
Depuis ce jour, l'association nous rend toujours visite plusieurs fois par an. Il ne nous oublie pas et continue à faire évoluer notre village. Moi, petit garçon d'un bout du monde, jamais je n'aurais pu croire que leur venue allait changer ma vie.